ça tombe. Celle bon. Avec le drapeau. Hop. Bon, c'est cool. Ils attaquent une autre tombe. Celle avec le drapeau. C'est cool. La tombe près de la route. Ah oui, celle-là. Et forcément, du coup, j'étais pas du tout dedans. Elle est touchée. Merci. Ouais, théoriquement. Je les attaque d'ici. Et vous protégez les stèles. Ouf. J'entends plus rien là du coup. Non. Ouais, ils ont réussi à faire un truc quand même assez. On peut y arriver, officier. Assez fort, le fait de pouvoir utiliser la manette de quelqu'un d'autre. Non, pour le coup. C'est assez impressionnant. Ah, elle est encore tombée. Oh. Merci beaucoup. Oh merde, il y a quelqu'un qui tire. Aidez-moi en les dispersant un peu. Dispersez-vous. Eh, mais moi je devrais utiliser ma dynamite. Effectivement, je pense qu'avec avec une souris ou même au tactile, ça doit être un peu bizarre, mais. Oh merde! Et défendez les. Lancez des fumigènes! Gardez-nous! Vous voyez? Ça tire! Mais pour les fidèles! Faut pas qu'elle puisse nous voir! Dieu de l'air! Aidez-moi en les dispersant un peu! Déplacez-vous! On doit l'empêcher de viser! Balancez les fumigènes! C'est moi ou il meurt jamais lui? Ouais, il a l'air d'en prendre plein la mouille, mais. Ah merde. C'est ballot ça.
bataille risque d'être longue. Les cinglés vont contre-attaquer. Lancez des fumigènes ! On est trop proche ! Laissez-moi de l'espace ! Attaquez-les par un autre angle ! Il n'y a pas de... Des coups de feu ! Voilà, ça c'est bon. Ah, il y a encore un mec avec moi. Il se barre ou il se barre pas? Une petite victoire, mais elle compte. J'entends quelque chose. Je suis là, papa. Ça aura pas fonctionné, tant pis. J'arrive, j'arrive. Eh, hey, vous avez une seconde? Je vous revaudrai ça. Il n'y a pas grand monde qui aurait pris un risque pareil. Je l'oublierai pas. Comme disait mon père, tant qu'on continue de croire les uns en les autres, il y a toujours un espoir. Si on serre les coudes et qu'on s'entraide, les cinglés gagneront jamais. Bon, on va pas sortir les violons non plus. Mais si jamais vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Je serai là. Alors, on va aller... Là, j'ai pas avancé, et là, ouais. Alors... Déplacement rapide, ouais, yes, on va se déplacer là-bas. Parce qu'après, je peux pas montrer plus. Truc que je peux aller faire par contre. Hey, ici, ici Virgile Minkler. Hey, hey, c'est Sharky. Ici. C'est Réré de la ferme à citrouille. Boomer perd complètement la tête. Je sais pas quoi faire. Ici Virgile Minkler. Toute personne. On va aller faire un tour.
pour aller récupérer des trucs. Alors là, c'est la map du début. C'est vraiment là, lorsqu'on commence Far Cry, là, on commence par ici. Et il y a un petit truc à aller chercher que je n'ai pas fait. Non, il y a des bonnes choses dans Far Cry là. Il y a des bonnes choses. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant. Voilà. Je vais aller. Vider la cave qui est là. Alors normalement on commence quand t'arrives par ici. Un petit message comme quoi on dit que la cave est inondée et que il y a le baraquement qui est fermé à clé et tout ça. Normalement là c'est rempli d'eau. Alors ce passage là ça me fait marrer parce que ça me fait penser à Compte Ned avec la barre, le tuyau là, avec le boulon et tout ça. Et dans les caches là qu'il y a là, dans les petites cachettes là, bah du coup t'as vachement de thunes, t'as pas mal de pièces et c'est plutôt intéressant de les récupérer. Ça te permet après d'acheter en boutique un peu plus de matos ou des fringues à ta convenance. C'est ça, le jeu à 960. DJ, ouais. Je pourrais essayer de vous montrer les avions aussi. Mais là, je crois pas que je peux les lancer. Enfin, les avions, les hydravions. Je vais faire un tour. Cette fille du nom de Skylar qui est une excellente pêcheuse. Elle cherche quelqu'un pour l'aider à attraper l'amiral. Vous devriez partir à sa recherche quand vous aurez le temps. Mec, c'est cool. Ah, ok, c'est de ce côté-là. Bon. Allez, on traverse. Oui, ici aussi, je m'y suis mis un petit peu, ouais. Mais j'ai du mal un peu à accrocher au concept bac à sable. Pour moi, le contenu est un peu faiblard, hein. Mais ça reste. Ça reste mon avis. Je sais pas pourquoi, mais je le sens que je vais me faire bouffer par un. Officier, t'as franchi la NB River maintenant. Te
fie plus à rien de ce que tu vois, et surtout crois pas un traître mot sorti de la bouche de Face. Et aussi, évite les fleurs blanches. Elles ont l'air de rien, mais elles te pourrissent la tête. Si tu me crois pas, attends juste de croiser un de ces putains de junkies. Des anges, comme dit la secte. Sauf que, ils hésiteront pas une seconde à te mettre en pièce. Bon. Après avoir gâché... Oh là 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 là. Tiens, prends ça. Ouais, non, pour en revenir à Sea of Thieves, ouais, je trouve que ça manque de contenu par rapport à la bêta, il y a quasiment il y a pas beaucoup de différence. Et puis puis ça fait chier que le jeu soit pas en 60 fps sur Xbox One X quoi. Après c'est un très bon jeu bac à sable si tu joues à plusieurs quoi. Je vois, j'ai ma gamine de 4 ans, elle y joue un petit peu. Bah, elle est toute contente. Elle prend la mer. Oh putain, des zombies! Ouais, c'est ça, c'est marrant à voir en stream, mais bon, après, ouais. Faut voir aussi après le contenu qu'ils vont créer par la suite, parce que c'est pareil, hein. Au bout d'un moment, les gens, ils vont avoir fait le tour de faire des quêtes, d'aller chercher des coffres, de tuer des squelettes. Ça va vite, hein. Et après, c'est quoi la suite? Je leur souhaite que ça marche sur le long terme, hein. C'est pas le... Et j'ai pas envie de casser du sucre sur leur dos, mais ouais, ça manque un peu de... Ça manque de contenu. Tu vois, tiens, je le trouve... Hein, qu'est-ce que tu me dis, pareil non. C'est qui Ah, les zombies, là. On vient de voir, je suppose. Non mais les streamers ils y sont depuis un petit moment maintenant, donc effectivement quand tu passes ta journée dessus t'as vite fait le tour quoi. Alors des crochetages, tiens j'avais pas encore fait ça. Ah oui putain, et j'ai pas... J'ai sûrement plein de talents à déverrouiller là. On va voir ce que ça donne. Hop. On va regarder les talents. Ouais les mecs en blanc c'est des mecs qui sont complètement shootés. Et qui ont une attitude de zombie. Tu sais, il faut bien des zombies hein, quand même dans un jeu. Alors. J'ai 6 points de compétence. Qu'est-ce que je peux faire? Le crochetage. Ah, c'est quoi ça? Grace. Moi, non, les squads, c'est pas mon truc. Combat rapproché.
Maîtrise des armes lourdes. Ah, ça c'est pas mal. Ouais. C'est vrai que les hommes rats, ça change des zombies. Hein. Non, mais il y a Earthfall là qui va arriver bientôt. Ouais. Là, c'est des extraterrestres. Ce sera un peu différent. Je vais tenter un truc. Ah tiens, attends. Je crois que ma voiture elle aime pas aller dans l'eau. Tu vois là, tu vois les petites étoiles là, c'est quand je suis défoncé. Il faudrait aller vraiment vers un truc. Ça me fait triper. Je trouve que c'est bien pensé, ça, pour le coup. Oh merde! Oh les enculés! J'étais en train de nager. Oh là là. Après un jeu là qui m'a bien botté là, c'est Ah bah attends, tu vas voir Attends. Alors, consommer de l'alcool. Donc ça va être compliqué de tirer de bois. Je peux pas boire plus. Voilà, c'est compliqué là. Oh là là. Les effets de l'alcool sur le jeu vidéo. Ah, ça y est. Ah non, je suis toujours bourré ou... Ouais, je suis toujours bourré. La fin de votre pèlerinage à travers ce monde torturé que l'on appelle civilisation. C'est un jour dont vous vous souviendrez pour le restant de votre vie.
C'est le jour où vous entrez dans le monde béni du Père. Allez, hop, je continue. On va aller voir la tour là, on va aller la détruire. Station dynamite. Merde, putain, ça a pas pété. Là, tu vois, là, toutes les petites particules, là, c'est vraiment bien fait. Là, je sais pas comment vous le voyez, mais... Je voulais aller voir la statue là, là-haut, parce que ça fait un petit moment que je la vois, et j'ai pas pris le coup d'aller... Merci Rico. Ah bah alors, c'est pas du tout par là qu'il fallait que je passe pour... Bonjour, je me suis pété la jambe en voulant sauter. On m'appelle Robin des Bois. Le QC, c'est pour Québec. Mais je suis nul. Bah oui. Je suis vraiment nul. Quoi dans la tour de game? Hop. De la viande. Et il fait quel temps à Montréal là du coup en ce moment? Ah c'est cool que... Ah au fait, si jamais t'es dans les barrages de la statue de Joseph, du matin, il doit y avoir 7 heures de décalage, non? Rico, 7-8 heures, il doit être quelle heure? Minuit, ça fait 14 heures. Non, ça fait pas 14 heures, mais n'importe quoi, moi. Ah merde, il y avait des. Ah, il y a eu un sacrifice ici, d'accord, carrément. Ok. D'accord. Ils sont tous jetés de là-haut ou...
Ah, on peut faire du rappel. Cool. Oh, c'est assez basique, hein, le rappel. Hein. Ah, c'est cool. Ah, c'est ça, 20h. Merci, putain. J'arrivais pas à calculer. Ah, il n'y a pas plus que ça de décalage. Je pensais qu'il était... Parce que là, ça fait 6 heures de décalage. Non, 5 heures de décalage. Donc 6 heures. Alors normalement, quand vous faites des actions là, comme grimper ou conduire, tout ça, il y a un didacticiel qui apparaît sur le côté. C'est juste que je l'ai désactivé. Ça vous permet de savoir quelles sont les commandes qui sont utilisées. Parce qu'en fonction des véhicules, c'est assez différent. Je sais pas pourquoi, mais ça sent la fin du jeu ici. Ne tuez pas les innocents. Merde! Mais balèze! Ah, j'ai merdé. J'ai pas fait gaffe. Oh merde, j'atterris en bas. Oh, les chiottes. Bon, allez. Je vais essayer de me faire le truc, là. Est-ce que sur la map, je peux voir si on peut récupérer un hélico? Non. Vraiment que je prenne une caisse et puis que je trace. Je vais prendre ça. Oh, je suis désolé, on commence à être... Nord 15, je commence à avoir un coup de barre. Ouais, non, mais il y a du potentiel dans ce jeu. Merde, putain, j'ai pas réussi à monter. Après, si t'aimes les jeux Ubisoft, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, c'est l'univers qui change, mais la technique reste toujours la même.
On a une grande map avec des boss. Ça ressemble beaucoup à ce qui a déjà été fait sur Ghost Recon ou Assassin's Creed, même dans le système de progression. Alors effectivement, on parle de TPS contre un FPS, mais globalement, ça reste la même chose. Ils sont coriaces maintenant. Ah merde, putain, je glisse. Après Rico, hein, si t'as des questions, faut pas hésiter à les poser. Est-ce que ça me fonctionne le mortier? Est-ce que je peux le bouger? Non. Ah si. Allez. Je vais me faire défoncer si je... Ah merde! Là, ça rigole plus là quand même. Putain, alors déjà qu'il y a des ennemis, mais alors en plus si je vais me taper des cougars. Excellent. Ah mais là ça fait loin, hein. Si j'ai pas de véhicule. Ah merde. Enfoiré du hippie. J'avais pas vu les mecs. Oh putain, un bison. Je peux tenter le succès. Oh là là. Ah oui. Oh c'est so easy. C'est so easy pour avoir le succès.
d'une facilité. C'est vraiment facile. Bon, par contre, du coup, là, je suis en plein trip et libéré l'avant-poste. Bah oui, je suis bien. Oh là là. Ah merde. C'est rapide, hein. On vous envoie des renforts par l'ouest. Là, je suis en train de triper, du coup. Ouais, il fallait pas abuser non plus. Par contre, c'est si t'es en difficulté là, la potion magique là, ça peut être pas mal. Voilà, j'ai bien abusé, j'aurais pas dû foncer comme ça, mais. Alors, je peux vous montrer quand même, parce que les camps. Bon, là, c'est des sortes de prisons et, enfin, des avant-postes plutôt. Et il y a. Il y a plusieurs alarmes qui sont dans le poste et le but c'est d'y aller vraiment mollo pour pouvoir désactiver les alarmes et éviter que donc il y ait des renforts pour pouvoir libérer les otages. Donc à la limite on peut se le faire en mode un peu infiltration. Les ennemis avant. Il y a l'alarme qui est en dessous là. Alors par le coup, j'ai pas comparé avec les autres Far Cry parce que j'en ai jamais fait un. Enfin si, j'ai fait un tout petit peu Primal, mais voilà, j'ai pas non plus. Là, on va aller déverrouiller ça. Et ouais, mais il faut que c'est prévu, mais j'ai pas forcément le temps. Du coup. Merde. Je l'avais pas vu. Voilà.
Et voilà. Quand il va avec un peu de discrétion, ça va mieux. Allez, une petite bière, les mecs. Je vois que tu cherches, mais tu sembles perdu. Lorsque j'étais jeune, j'ai passé de nombreuses années à chercher. J'étais un rat dans un labyrinthe, toujours à la recherche du même morceau de fromage rance. Le père était la première personne à m'aider à comprendre qu'il y a un monde au-delà de ce labyrinthe. Un monde qui ne prend pas tout. Qui dévore pas tout. Un monde qui donne. Un monde qui aime. Un monde qui t'accueille à bras ouverts. Et oui, un monde... Je n'ai plus besoin de chercher. Je suis ici pour partager sa parole. Oui, c'est gentil, viens c'est voir cool. Pour toi-même le monde au-delà du labyrinthe. Non, ça passe pas. Ouais. Hey, toi, viens là. Merci d'avoir nettoyé le camp. Évidemment, on a mais un de problème. Rien. On a croisé une saloperie de cougar de l'autre côté de la rivière. C'est pas une bête comme les autres. Ce serait une des expériences ratées de la secte. Elle tue tout ce qui s'approche. Ils l'ont gavée avec leur drogue. Et du coup, t'hallucines rien qu'en passant à côté d'elle. J'ai envoyé des gens pour l'abattre, mais ils sont pas revenus. Ils sont sûrement morts. J'aimerais que tu finisses le boulot. Mais je te préviens. C'est une bête super dangereuse et très imprévisible. Bon allez, on va essayer de se faire ça alors. Puis après j'arrêterai. Puis si ça vous dit, ben, demain je referai la même vers 23h. Le marshal est là quelque part. Ah, excellent. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer par là? Alors, il y a des statuettes aussi à collectionner. Enfin, pas. J'ai ramassé une statuette burger, un autre item aussi. Ça c'est bon. Donc, il y a des collectibles à récupérer. Ouais, j'ai pas osé faire la blague sur la cougar. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme arme? Fusil à pompe, je suis toujours marré. Bon, y a rien qui me plaît. Par contre, du coup, est-ce que j'ai des points de compétences? Non. J'ai pas de points de compétences. Tant pis. Je ferai sans. Et on va aller voir la cougar, alors, du coup. Ah, ben voilà, les hélicos. Et j'y avais toujours pas droit. Parce que là, ça a changé. Ah yes, j'y ai droit. Nickel. Ouais, bon alors on va d'abord chasser la cougar.
Par contre, ça apparaît pas, non mais. Ah. Alors, ok. C'est si loin que ça? Non. Ah ouais. Bon bah je vais prendre l'hélico alors du coup. Une bonne excuse pour le prendre. Moi aussi je sens le crash arriver. Mais un succès, il faut sauter en parachute, alors du coup je vais le tenter. Alors c'est un peu particulier le gameplay parce que du coup tu appuies sur A et puis tu prends ton envol, B tu descends et tu ralentis. Et au début j'avais tendance à appuyer sur les gâchettes bêtement comme sur n'importe quel jeu de caisse quoi. Et finalement, c'est en lisant les instructions sur le côté. Ça sent le combat là. J'ai où exactement? À l'intérieur de la zone de recherche. Oui, mais la zone de recherche, elle est où? Parce que là, pour le coup, ouais, faut peut-être descendre. Ah putain! Elle est où?
Elle est pas là-bas? Ah si, elle est là. C'est quoi ça? Putain, je me fais attaquer par un danon. En gros, ok. Oh putain. Ça va, ça reste. Ah! Un succès. Terminé 3 quêtes annexes. Nickel. Il chope une dinde. C'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Ça, c'est une bonne blague. C'est un bon titre de test ça. Bon, ça c'est good. Bon allez, je vais m'arrêter là parce que d'ailleurs... Non ça va. Ouais, je vais m'arrêter ici parce que... Le lit m'appelle. Et ils sont où? Bah écoutez, c'était cool. Vous étiez un petit peu ce soir, donc ça c'était sympa. Et puis bah écoutez, j'essaierai de faire ça demain soir pour ceux qui sont intéressés. Je referai la même chose, je pense. Vers 22h, 23h heure française. Donc bah, si ça en intéresse certains, bah, n'hésitez pas. J'espère être là. Et puis ouais, bah, je vous dis bonne nuit. Et puis ou bonne journée pour certains. Ou bonne soirée pour d'autres. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut les gars.